C'est un parcours industriel à l'international. L'INSA m'a apporté une solide formation technique et la conscience de l'importance de mes réflexions dans mon métier d'ingénieur sur le sens de ma responsabilité. Un ingénieur INSA, c'est un solide technologue qui est capable de prendre en compte l'ensemble de son environnement de manière globale. Il aura un rôle prépondérant sur le plan social et sociétal pour assurer que nous soyons capables de gérer la transition écologique et la transition digitale. Une seule réponse possible, la technologie au service de l'humainement souhaitable. L'ingénieur doit dire non à chaque fois qu'il juge que la technologie est utilisée à mauvais escient autour de lui, dans la société ou dans sa société. L'ingénieur INSA, c'est un ingénieur qui a su, au travers de ses études, comprendre l'importance de l'équipe, du travail en équipe et de la diversité au service de la performance des entreprises. J'ai envie de soutenir cette chaire pour comprendre quelles sont les attentes de l'ensemble des parties prenantes de l'INSA de Lyon. L'INSA de Lyon a une grande conscience que former des ingénieurs aujourd'hui, c'est former des ingénieurs qui demain sauront gérer cette transition écologique et cette transition digitale. Et donc cela doit faire partie de leurs enseignements de manière extrêmement visible. Mes attentes en conclusion de cette chaire seront de vérifier que les enseignements pédagogiques qui sont délivrés à l'INSA de Lyon sont bien en ligne avec la vision que les parties prenantes ont de l'ingénieur humaniste.